Bonjour à tous, nous nous levons pour le chant d'entrée. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Jubilez tous les peuples, venez à lui, la lumière des nations. Cette lumière des nations, c'est le Christ que les mages, aujourd'hui, oui, reconnaissent comme celui qui vient pour tous les hommes, eux qui viennent de l'étranger, de l'Orient. Alors oui, laissons-nous en cette Eucharistie et tous les jours de notre vie guidés par l'étoile qu'est le Christ vers la crèche, et venons l'adorer, venons l'écouter, venons nous nourrir de sa vie. Nous sommes en communion avec la famille et les amis de Léon Plancher, de Marie-Madeleine Girard, de Joseph Ardouin, de Guy Jean, dont nous avons célébré la sépulture cette semaine. Nous apportons des veilleuses déposant sur l'autel en signe d'espérance pour nos défunts et en signe de communion avec leurs familles et leurs amis. Nous nous préparons, oui, à accueillir le Seigneur de tout notre cœur à l'image des mages en implorant sa miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur, prends pitié, Seigneur. Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi le bienvenu.
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu notre Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons. Aux hommes qu'il aime, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père, gloire à Dieu. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos sur la terre, aux hommes qu'il aime, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations en son épiphanie. Grâce à l'étoile qui les guidait, daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous,
Ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, les chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annoncent les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice. De paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront. Le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées. Comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse
dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Jérusalem, lève les yeux, alléluia, alléluia. Voici la gloire de ton Dieu, alléluia, alléluia. Peuple de la terre, accourez vers l'enfant, prochez son étoile, adorez le vivant. Jérusalem, lève les yeux, alléluia, alléluia. Voici la gloire de ton Dieu, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. De Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, « À Bethléem, en Judée. » Car voici ce qui est écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Du Seigneur, ces mages qui viennent d'Orient symbolisent les nations qui sont loin de Jérusalem et qui pourtant sont concernées par le Messie qui vient de naître. Et cela s'accomplira à la Pentecôte où l'Esprit Saint sera répandu sur toutes les nations. La Pentecôte qui lancera les disciples, les apôtres vers toutes les nations. Au-delà du peuple juif. Ce Messie, en effet, vient pour toutes les nations. Jésus donnera sa vie, versera son sang, comme nous le disons à chaque Eucharistie, pour la multitude. Il est le sauveur de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants du monde. Et c'est pourquoi aussi, nous, les baptisés, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à tous ceux et celles qui ne la connaissent pas.
parce que nous sommes tenus, oui, de croire dans le salut de tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit saint Paul dans la première lettre à Timothée. Nous sommes tenus d'espérer pour tous. C'est notre foi qui nous l'enjoint. Oui, si nous voulons espérer pour nous-mêmes, il nous faut espérer pour les autres, pour tous. Si nous voulons faire notre salut, travailler à notre bonheur, alors travaillons au salut, au bonheur des autres. Toute grâce est reçue en vie des autres, en vue des autres, c'est-à-dire que notre baptême est en vue des autres, de même que mon ordination. La bonne nouvelle est pour tous, la bonne nouvelle c'est Jésus. Mais chose étrange, et nous le voyons, nous le constatons dans l'évangile d'aujourd'hui, la bonne nouvelle peut être reçue comme une mauvaise nouvelle pour certains. Pour Hérode, apprenant la naissance du Christ, qui veut le mettre à mort, le supprimer. Mais comment peut-on craindre ainsi celui qui veut nous sauver, celui qui vient pour notre bonheur et qui donnera tout pour notre bonheur? Les mages disent à Hérode que le Messie est le roi des Juifs. Et Hérode, roi des Juifs aussi, se sent sans doute menacé. Et donc Jésus, la bonne nouvelle, est perçue comme une menace, comme une concurrence. Et pourtant, Dieu ne vient pas nous faire concurrence. Il ne veut pas prendre notre place. Il veut au contraire œuvrer pour que nous ayons toute notre place dans ce monde et au-delà, dans l'autre monde, dans le royaume. Il n'est pas notre adversaire, loin s'en faut. Il est notre partenaire. On peut se dire, mais j'ai compris tout cela. Je ne suis pas comme Hérode. Je ne crains pas le Messie. Je n'ai pas peur de Dieu. Au contraire, je le désire. Je désire vivre avec lui. Pour moi, oui, Jésus est vraiment une bonne nouvelle. Mais sommes-nous sûrs de penser cela vraiment au plus profond de nous-mêmes? Les bons sentiments peuvent parfois cacher d'autres moins glorieux, moins positifs, moins bienveillants, même si nous n'en sommes pas conscients. Ainsi, quand un couple se marie, l'époux et l'épouse sont pleins de bons sentiments l'un envers l'autre, et c'est bien compréhensible. Mais peu à peu, ils peuvent en venir à se quereller, à ne plus se supporter. Car aimer quelqu'un suppose bien plus que des sentiments. Cela suppose, oui, de supporter ses défauts qui ne vont pas changer du jour au lendemain. Et même si l'autre n'avait pas de défauts, eh bien vivre avec lui supposerait malgré tout de se laisser changer par lui. On ne peut pas vivre longuement avec quelqu'un sans se laisser transformer par lui. Et Jésus, lui qui est sans défaut, sans péché, est venu pour nous changer, pour changer notre vie, pour transformer notre personne, pour nous mettre en accord avec l'Évangile, pour nous convertir, et tout cela pour notre bonheur. Mais, dans un premier temps, au moins, avoir à changer, avoir à évoluer, à nous remettre en cause, à nous laisser transformer, cela peut faire peur, agacer, bousculer, déranger. Et donc, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, au moins dans un premier temps. Surtout que pour vraiment vivre en chrétien, il faut faire des choix radicaux même, des renoncements, simplement pour vivre, pour venir à la messe chaque dimanche. Dans une société où nous sommes ultra minoritaires, eh bien, ça peut être difficile quand nous sommes, oui, minoritaires dans la société et parfois dans notre famille elle-même. Et puis, bien sûr, pour vivre selon l'Évangile, pour vivre honnêtement, pour vivre pour les autres, pour respecter les personnes, particulièrement les personnes les plus fragiles, eh bien, cela peut conduire, oui, à des choix de tous hommes et des choix exigeants et radicaux. Comme on dit, il faut accepter de mourir à certaines choses, de mourir à une manière de vivre, peut-être une manière de vivre où
nous serions tentés de rechercher plutôt plus les richesses de la terre que celles du ciel. Une manière de vivre aussi, ou plutôt que de respecter l'autre, d'être chaste envers l'autre, nous avons tendance à vouloir le configurer à notre image, alors qu'il est à l'image de Dieu. Nous avons tendance peut-être parfois à mettre la main dessus, chaste envers les personnes, chaste envers les biens. C'est ce à quoi nous appelle l'Évangile. Et c'est très 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 exigeant. Qui peut dire qu'il est parfaitement chaste? Oui, nous sommes appelés à renoncer à une manière de vivre pour en embrasser une autre plus heureuse, mais plus exigeante, c'est sûr. Le chemin, la voie de l'Évangile est un chemin difficile. Pour entrer dans le royaume, il faut emprunter la porte étroite. Jésus saura le dire, Jésus surtout saura le vivre. Prendre ce chemin difficile, entrer par la porte étroite. Et donc, oui, quand Jésus nous dit tout cela, quand il nous fait comprendre tout cela, eh bien, bien souvent, il sera mal accueilli, mal compris, en premier par ses disciples, par Pierre, qui n'accepte pas que Jésus doit passer par la passion, parce que peut-être bien que lui-même aussi a compris qu'il devrait passer par là. Alors Jésus non seulement sera mal accueilli, mais rejeté aussi. Et cela commence dès sa venue au monde, dès sa tendre enfance, avec la tentative d'Hérode de le faire mourir, et avec la nécessité pour Joseph d'emmener Marie et l'enfant en Égypte. Ce sont eux, c'est Jésus qui en son propre pays, en son propre peuple, est devenu un étranger. Alors finalement, si nous ne sommes pas comme Hérode, tant mieux, mais nous avons quand même besoin d'être aidés pour vraiment accueillir Jésus comme une bonne nouvelle au jour le jour. Oui, que nous nous aidions mutuellement à progresser sur le chemin de l'Évangile, qu'ensemble, au cours de cette nouvelle année, et c'est bien le vœu que nous pourrions formuler, que nous nous soutenions pour suivre Jésus de tout notre cœur, et que cette Eucharistie, que chaque Eucharistie, nous donne la force, la grâce de reconnaître en Jésus celui qui vient pour notre bonheur et pour le bonheur de tous les hommes, nos frères. Notre profession de foi, nous allons alterner refrains et proclamations successives des trois articles du Credo. Je vous invite à me suivre attentivement. Ciel et de la terre. En un seul Dieu.
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. En Jésus-Christ qui nous sauve, nous croyons. Au Saint-Esprit de Dieu, nous croyons. En Saint-Esprit de Dieu, nous croyons. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous croyons. Oui, comme celui qui vient pour toutes les nations. Alors oui, que notre prière soit vraiment universelle. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Étoile à l'Orient. Pour que l'Église accueille et accompagne tous ceux qui cherchent une espérance nouvelle, nous te prions, Dieu très bon. Devant lui, pour que les dirigeants des nations aident les croyants de toute religion à vivre en pleine fraternité au service du bien commun. Avec le pape François, nous te prions, Dieu très bon. Sur la terre des hommes, se réjouir d'une très grande joie, pour que la joie de Noël console nos frères et sœurs souffrants, et que le cri des pauvres parvienne jusqu'à toi, nous te prions, Dieu très bon. Sur la terre des hommes, ils se prosternèrent devant lui pour que tous les baptisés prennent le temps de rendre grâce et d'annoncer au monde la bonne nouvelle. Nous te prions, Dieu très bon. Sur la terre des hommes, Seigneur, écoute nos prières, exauce-les. Fais que, comme les mages, nous recherchions sans cesse ton Fils et que nous l'annoncions à tous nos frères en parole, en acte et en vérité. Par Jésus le Christ qui vit pour les siècles des siècles.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, en son épiphanie, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Thank you.
gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque François, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions particulièrement pour Léon Plancher, Marie-Madeleine Girard, Marie Jousseau, Joseph Ardouin, Guy Jean. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Thank you.
les invités au repas du Seigneur. Voici la lumière des nations, le Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur. Du plus grand amour. Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes, pour aimer du plus grand amour, montre-nous le chemin. T'invitons à notre
ensemble, prions. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant, par Jésus le Christ qui vit pour les siècles des siècles. À mes invocations, vous répondrez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui anticipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. De joie, peuple de l'univers. Exultez de joie, peuple de l'univers. Jubilez, acclamez votre roi. Exultez de joie, Dieu a pris notre chair. Jubilez, chantez, alléluia. Peuple de l'univers, jubilez, acclamez votre roi, exultez de joie, Dieu a pris notre chair, jubilez, chantez, alléluia. Exultez de joie, peuple de l'univers, jubilez, acclamez votre roi, exultez de joie, Dieu a pris notre chair, jubilez, chantez, alléluia.
bonne semaine et encore une fois, bonne année 2021. À bientôt.